Voilà, alors vous allez découvrir maintenant, à côté de moi, ici, Sauvane Delanoë. Bonjour Sauvane. Bonjour. Je suis très contente que tu sois venue, parce que tu as raté l'école pour venir. Faut dire, hein, tu es en quelle classe? En 7e. Et alors, tu as 9 ans. L'année prochaine, tu vas, parce que tu travailles bien, tu vas entrer en 6e. Je crois que tu as fait ta composition ce matin. Oui. Parce que c'était cet après-midi, c'est ça? Normalement, c'était cet après-midi, mais on a retardé, on a téléphoné à la maîtresse, du coup, on a retardé. Bon, alors, merci. Moi, je remercie la maîtresse. Je ne sais pas s'ils ont mis la télé en marche dans l'école cet après-midi. Merci de nous avoir libérés, Sauvane, parce que j'avais envie de savoir comment tu avais commencé ce métier. C'est presque un métier, quand même. Tu vas à l'école, mais tu fais beaucoup de doublage de films. Oui. Comment ça s'est passé? Quand je l'ai fait, les doublages, je l'ai fait souvent le mercredi et puis le samedi aussi. Ouais. Mais le mercredi après-midi, parce que le matin, j'ai l'école. Mais... Sinon, normalement, je manque jamais l'école. Bah oui, bien sûr. C'est ta maman qui est comédienne, je crois. Oui. Hein? Et alors, un jour, on avait besoin d'une voix et elle t'a fait venir. Oui. À quel âge t'as fait ton premier doublage? Mon sérieux, je l'ai commencé à 4 ans et demi, mais celui... moi, je crois que j'étais off, je sais plus. Je l'ai fait à 2 ans et demi. Ah, là, le vocabulaire, hein, elle était off. Hein? À 2 ans et demi? Qu'est-ce que c'était? Bébé Nobel. Ah bah dis donc, pas mal. Je hein, parlais pas beaucoup, je disais bonjour docteur, un truc comme ça. Ouais. Et maintenant ça va bien, hein, tu t'habitues bien au studio et tout ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses Gérard? C'est formidable. Ah ouais. Hein? Nous on était tous les deux là, avant là, on parlait un peu tous les deux quoi. Parce qu'on était bien tous les deux en fait. On parlait pas de synchro, on parlait de sa grand-mère. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit la grand-mère d'ailleurs? Rien, la grand-mère elle est là, et puis elle jouait du piano tout à l'heure, la petite fille pour s'amuser, et la grand-mère qui écoutait, ré. Elle lui disait, parce qu'elle avait raté un peu la plaque, là, mais pas beaucoup. Hein. Non, on parlait de la vie en général, tous les deux. Ouais, tu as fait au moins 5 ou 6 films, hein, déjà. Et même plus que ça, bon. Ah. Combien tu les as comptés? Oh non. Non? Non, j'ai pas pu. Il y en a tellement. C'est trop dur. Alors dis-moi, Sauvane, on peut plus les compter sur les 10 doigts. Ah bon? Tu vas regarder, là, on a des écrans de contrôle à côté de nous, tu vas regarder un film, un petit reportage que nous avons fait sur d'autres enfants, mais quand elle est venue ce matin, on a regardé ça en régie. Tu les connais. Ah ouais. Alors moi, j'ai besoin de mon papier quand même, tu vois, pour dire leur nom, parce que je les connais pas, puis j'ai jamais fait de doublage. On va découvrir Damien, qui a 15 ans, Guillaume, qui lui a 11 ans, c'est les frères Boisseau. Bah voilà, elle les connaît bien. Ouais, Boisseau. Boisseau, pas Boisseau. Alors eux, ils ont doublé notamment Damien. Je te double. Damien, c'est lui qui avait doublé E.T. d'ailleurs. Hein, dans le film. Ouais, c'est lui qui avait fait ça. E.T., tu vois. Et puis, on va. Il n'avait pas doublé le Martien quand même. Non, il avait doublé le. Ah. Si, si, E.T. E.T. Si. E.T. Maison. Tu savais pas? Non. Non, ah bah c'est lui qui l'a fait. Pas lu. Et puis alors, il y a aussi Emmanuel Garigeau. Et Emmanuel Garigeau, les téléspectateurs d'Antenne 2 connaissent sa voix, puisque lui, il a notamment il travaillait beaucoup dans Les Mondes Engloutis, qui passe mercredi sur Antenne 2. Alors, puis qui avait fait Mad Max aussi. Hein? Oui, voilà. Avec moi aussi. Toi aussi, t'as fait Mad Max. Bah, alors, trois Mad Max. Non, Mad Max 3. Bon, alors, on va s'arrêter parce que sinon on va se faire gronder par Jean-Pierre Levicky, je sens ça, parce qu'il faudrait bien voir les images. Alors, je vous dis donc de découvrir ces stars du doublage, Stars en Herbe, un reportage qui est signé Christine Emmerich et Patrick Lambroso, les Stars en Herbe. Regardez. Tu rêves, mon petit. Tu l'as dans le cul maintenant. Faut que t'emmènes sa maman pour qu'elle conduise. Et si tu veux te la faire, il faudra aussi que tu te fasses sa maman. Mais dis donc, Guillaume, il y en a des gros mots là-dedans. T'en dis autant dans la vie? Non, je connais pas. Non, hein. Et toi, Damien? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, maman, du fait que vous disiez des gros mots comme ça au cinéma? Bah, le cinéma, c'est le cinéma, quoi. La vie à côté, c'est pas du tout pareil. Hein. Non. Bon, elle sait que c'est le cinéma, du tout, qu'on en dise pas à la maison, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire du doublage? Bah, disons, il faut savoir lire. Il faut être naturel, je crois. Bon, c'est pas extrêmement facile. Je crois qu'il faut commencer par des... Je vois, j'ai commencé par des petites choses. J'y allais, j'allais dire oui, papa, oui, maman. Au fur et à mesure, on a un rôle plus important, puis on finit par faire des grands films. Les vaches. J'aimerais bien ça l'avoir à patin et à l'DK. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche, le doublage? Qu'est-ce que c'est? Le texte est déjà tout préparé. Il passe en dessous l'image. Il y a une barre, et quand le texte passe devant, on lit. Enfin, on lit, on joue, quoi. J'aimerais bien la voir sur des patins, cette pain-bêche. Peut-être un peu la synchro, attention à pain-bêche. Oui. Hein. Tu as eu le problème déjà tout à l'heure. Oui. Hein, un petit peu, tu risques d'être lent. Mais hein, j'ai du mal. Resserre un petit peu. Tu veux inverser la phrase, si tu veux. C'est-à-dire? Si tu veux. Cette pain-bêche, j'aimerais bien la voir sur des patins. Tu finiras plus court. Oui, je peux essayer. Tu peux essayer, hein. Tu sais ce que c'est qu'une pain-bêche? Non. Voilà, c'est ça. Et là, quand vous vous voyez, vous vous trouvez bon? Un peu, oui. Je trouve que j'ai assez bien joué.
T'es content de toi, quoi. Oui. Oui, si l'oncle Albert arrive à faire fonctionner le bateau. 334. Et toi, pourquoi ne voulais-tu pas partir? Oh, je ne croyais pas au rêve d'oncle Albert, et je ne croyais pas aussi à la mer. 335. Non, rêve. Je ne croyais pas au rêve, je n'ai pas compris le rêve. Emmanuel, ça fait longtemps que tu fais du doublage? Assez, oui, depuis presque un an et demi. Un an et demi. Et c'était quoi ton premier film? Mad Max 3. T'as quel âge? Je vais bientôt avoir 11 ans, au mois d'avril. Des tout petits pour faire ça? Ouf, il y en a des plus petits. Hein. Ah bon? Oh oui. On peut commencer à quel âge? Alors là, vers peut-être 6 ans, si on sait bien lire. Ils sont fous, ces types! On n'a rien fait de mal. S'ils croient que je vais garder leur truc... Attends, Rebecca. Et qu'est-ce qui te plaît dans le doublage? Ça enlève la timidité. Avant, j'étais timide et puis maintenant, bon... Bah... T'étais timide? Oui, avant, oui. Beaucoup. Et ça t'a aidé? Oui, un peu. Alors, t'as rencontré qui comme grands acteurs? Jean-Luc Godard, Johnny Hallyday. Ça fait drôle de les voir et puis... on les voit à la télé puis on aimerait bien les voir et tout ça. Ça t'a impressionné? Oui, voilà, oui, ça m'a impressionné. Ça fait drôle. Mais t'étais content? Ah oui, assez, oui. Pourquoi ne voulais-tu pas partir? Je ne croyais pas au rêve d'oncle Albert. Et je ne croyais pas aussi à la mère. À l'école, ça se passe comment? Ben, on a parlé au directeur, enfin, on lui a expliqué ce que je faisais et tout ça. Et quelquefois, je manque. Mais la maîtresse, elle a changé son emploi du temps. Enfin, elle a fait quelque chose de spécial. Rien que pour toi? Oui, voilà. C'est super! Quelquefois, c'est oui, ça c'est vrai, on peut dire que c'est super. T'es bon en classe? Oh oui, ça va, oui. Là j'ai monté, on peut dire que ça va. T'es combien? Deuxième. Non, troisième. Tu sais combien tu gagnes quand tu fais de la post-synchro? Je sais que j'ai un compte bloqué, mais alors là je sais pas du tout. Et les copains à l'école, ils savent que vous faites des grands films comme ça? Bah oui, ils sont même... quand il y a un film qui passe, tout le monde accourt, enfin... Ah, vous signez des autographes? Non, non. Ça vous fait plaisir? Bah, on est toujours content de faire des compliments. Voilà, Guillaume, Damien et Emmanuel. D'ailleurs, Les Mondes Engloutis, c'est pas le mercredi dans Récréa 2, c'est le jeudi, je dis ça. On était en train de parler de Grosminet, de Titi Grosminet avec Sovan. Oh, tu me le refais, comment tu disais? J'ai cru voir un Grosminet. Voilà. Alors, c'est vrai que Gérard, ouais. Les adultes n'ont qu'à bien se tenir. C'est marrant, hein, oui, parce qu'il y a encore 5-6, enfin, oui, moins de 10 ans, c'était les adultes qui faisaient les voix d'enfants. Mais ça prouve que les enfants. Elles sont y a plus malins que nous, quoi. Mais non, nous, de notre temps, mon pauvre ami, mais on était encore enfants jusqu'à 18 ans. Ouais. Ma pauvre fille. Oh, bah, j'aurais pas osé te parler, moi, il y a 10 ans. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai, les enfants de maintenant vont vachement plus vite. Il y a des enfants dans le film que tu es en train de tourner pour Antenne 2, là. C'est un film avec Denis de la Patelière. Enfin, c'est Denis de la Patelière, oui, qui réalise. Ouais. Ben non, moi, je suis le fils de Daniel Darieux et George Wilson. Ouais. George, parce qu'on a le même nez. On est très content parce qu'il a trouvé un petit-fils et un fils pour moi, ouais. Qui a aussi un peu le même genre de pif, alors on est très heureux. Mais sinon, petits-enfants, non. Il y en a qui sont faits au cours du feuilleton pendant les 13 épisodes, parce que c'est 13 ouais. fois une heure, tu vois. Ouais. Alors il y a des couples qui se forment, etc. On verra ça bientôt, on verra ça quand Mais on verra ça fin 87 et 88, parce qu'on finit de tourner à la fin du mois d'avril. Dis-moi, Sovan, est-ce que tu penses déjà à ce que tu vas faire quand tu seras grande? T'as envie de... Je voudrais être comédienne, mais j'aimerais aussi... être jockey. Ah. J'aimerais faire les deux. Bah, ça doit être ouais. possible, ça, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme jockey, comédienne récemment? Il y en a eu, je y crois. Il y en a eu? Oui, oui. Ah, bon. Ouais, bonne bon. Comédienne, même, il paraît. En tout cas, tout le monde pense à la même chose. Sovan, merci d'être venu. Hein? Et puis, j'irai voir le film, moi, demain, parce que je ne l'ai pas vu encore. On va rappeler le titre. Fievel et le Nouveau Monde. Fievel, voilà. En américain, Fievel et le Nouveau Monde. Même à la française, on dit Fievel aussi, normalement. Ah bon, bah alors voilà, bah je me suis trompé. Il y en a qui disent Fievel. Eh bien, je dirais Fievel maintenant. Ok. Ouais. Bon, on se retrouvera avec Gérard tout à l'heure, avec Gérard Klein. Vous pouvez continuer à nous appeler, bien sûr, pour vos appels antidéprime. Mais là, je pense qu'on va maintenant aller voir du côté de l'emploi et des embûches de l'embauche.